Donc, le week-end dernier avait lieu le championnat canadien junior d'athlétisme. Antoine Thibault, l'athlète du club Zénix de la Mauricie, participait au 3000 mètres steeplechase. Antoine a réussi à remporter ce championnat-là, donc un premier titre canadien à vie pour Antoine, lui qui avait déjà fait deux championnats du monde, le championnat du monde jeunesse, le championnat du monde junior. Maintenant, avec cette victoire-là, son premier titre canadien, il réussit à se classer par le fait même pour les championnats panaméricains juniors qui, eux, vont avoir lieu du 23 au 25 août en Colombie. Donc, très belle performance pour Antoine. Le club Zénix de la Mauricie est très fier de lui. Eh bien, il restera deux belles compétitions pour lui avec les Jeux du Canada et les Jeux panaméricains juniors au mois d'août. Donc, les 26, 27 et 28 juillet prochains vont avoir lieu le championnat provincial civil d'athlétisme où certains athlètes du club Zénix de la Mauricie vont tenter de se classer pour le championnat canadien jeunesse d'athlétisme. Donc, on a William Gagnon qui va faire le 100, le 200 et le 300 mètres. William Labrèche qui va faire le 400 et le 800 mètres, ainsi que Corinne Leclerc qui, elle, va faire le 800 et le 1200 mètres. Ça roule.